Un cours à miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego. Section 1, juste enseignement et juste apprentissage. Introduction de ma part. L'esprit faux est constitué premièrement de l'instant sain ou le surmoi, et, deuxièmement, de l'instant non sain ou le ça de Freud, mais ces deux parties sont séparées de manière étanche. Le Fils de Dieu endormi est constitué premièrement de l'esprit conscient, le moi de Freud ou le conscient, et deuxièmement, de l'esprit inconscient, le filtre individuel ou l'inconscient. Le conscient est comparable à la combinaison, premièrement, du cerveau ou le mental, et, deuxièmement, des yeux ou l'instance de perception. L'inconscient peut être comparé à la mémoire. Ainsi, le conscient doit choisir, premièrement, les pensées du Saint-Esprit pour pardonner et retourner au ciel, ou, deuxièmement, les pensées de l'ego pour juger et continuer le rêve, chacun selon son script. L'inconscient joue le rôle de filtre en fonction premièrement de ses souvenirs coupables ou karmiques et deuxièmement de ses croyances faites de ce que le conscient a jadis considéré comme vrai. Les images projetées par l'inconscient hors de l'esprit sont premièrement perçues par le conscient et deuxièmement interprétées par lui en fonction de leur origine et selon leur filtre inconscient. Je vais maintenant décrire l'image qui va nous accompagner pendant cet enseignement. Cette image nous montre que l'esprit faux est constitué de deux parties, l'instant saint et l'instant non saint. L'instant saint est l'habitation du Saint-Esprit et le lieu de pratique du pardon parce que les esprits sont 100% vrais dans l'instant saint, ils sont donc réels dans le rêve. En revanche, dans l'instant non saint qui est la demeure de l'ego, les esprits sont divisés entre 0% et 90% et c'est l'instant non saint que Freud appelle le ça dans son enseignement. Il y a un conflit entre le surmoi de Freud et le ça entre le Saint-Esprit et l'ego. Ce conflit doit être tranché par le conscient qui est le Fils de Dieu séparé ou le moi. Dans le conscient est cet esprit, cette partie de l'esprit qui croit que les opposés peuvent cohabiter parce que l'esprit juste est reflété dans l'instant saint tandis que l'esprit faux est le correspondant des ténèbres. Ainsi, l'instant saint est la lumière et l'instant non saint, ce sont les ténèbres. Donc, quand le conscient imagine qu'il peut héberger l'instant saint et l'instant non saint, ça veut dire qu'il croit qu'il peut faire cohabiter la lumière et les ténèbres. Il n'en veut pas moins que le conscient doit choisir entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire l'interprétation des pensées qui seront projetées par l'inconscient. Le conscient doit choisir de les interpréter avec le Saint-Esprit ou avec l'ego. En fait, le Saint-Esprit et l'ego sont des interprètes de pensées qui sont dans l'histoire projetée par l'inconscient. Donc, le conscient doit choisir qui sera son enseignant pour interpréter les images qu'il voit à l'extérieur sous la forme de monde extérieur, en fonction de la mémoire karmique et en fonction des croyances que la conscience avait jadis enregistrées comme étant la vérité. Donc, pour me reprendre, les pensées du Saint-Esprit sont dans l'instant saint, les pensées de l'ego sont dans l'instant non saint. Le conscient doit choisir avec quel esprit, l'instrument esprit ou l'ego, il veut interpréter les images projetées par l'inconscient sous la forme de monde extérieur. Et ce sont les images exactement projetées qui sont en même temps perçues. Donc, l'esprit conscient ne verra que les images qui ont été projetées par l'inconscient et il va les percevoir comme si elles sont à l'extérieur alors qu'elles viennent de l'intérieur. Ainsi, le monde extérieur apparaît comme un écran sur lequel sont projetées les images l'esprit inconscient a projeté et que l'esprit conscient croit percevoir. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un courant miracle au chapitre 4. Les illusions de l'ego, section 1. Juste enseignement et juste apprentissage. Paragraphe 1. Phrase 1. Un bon enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. Nous devons comprendre ici que je suis seul dans mon rêve avec mon esprit. Et chacun de mes étudiants est une idée dans mon esprit, en nous souvenant que l'esprit est comparable à un échiquier de dames, où des cases blanches sont les, frères, les idées des frères qui ont été pardonnés, et des cases noires sont les idées des frères qui n'ont pas encore été pardonnés. Ce n'est jamais qu'à mon esprit que j'enseigne quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de monde et qu'il n'y a donc personne dehors. Donc, quand je suis un bon enseignant, un enseignant c'est dans le Saint-Esprit, je dois toujours me souvenir de ce que j'enseigne toujours à moi-même, ou du moins, j'enseigne aux idées qui sont dans mon esprit et qui sont effectivement projetées à l'extérieur sous la forme des images que j'appelle mes frères, mais ils sont d'abord dans mon esprit. En cela, ces idées que j'enseigne renforcent ma propre compréhension du sujet dans mon propre esprit en tenant compte de ce qu'il n'y a personne au dehors. C'est ça un bon enseignant. Deuxièmement, enseignants et élèves sont pareils dans le processus d'apprentissage. Un bon enseignant se souvient de ce que l'enseignant et les élèves sont dans son esprit. Ils ne sont pas à l'extérieur et qu'ils sont tous des étudiants du Saint-Esprit, dont l'enseignant n'est que l'interface entre le Saint-Esprit et les élèves. Mais il doit se souvenir de ce que les élèves étant ses égaux, eux aussi peuvent être utilisés par le Saint-Esprit pour l'enseigner lui. Troisièmement. Ils sont dans le même ordre d'apprentissage et à moins de partager leur leçon, la conviction manquera. C'est ce qu'il venait de dire. Ils sont tous égaux dans l'esprit de l'enseignant. Et ils doivent partager leur leçon. Ça veut dire que chacun doit s'attendre à recevoir des autres dans l'optique d'atteindre l'égalité. Le partage dans un cours à renvoie toujours à l'égalité de tous. Il est l'opposé de des différences et des niveaux. Donc, faute de chercher le partage, c'est-à-dire l'égalité de tous, l'enseignement sera influencé par l'ego et la conviction manquera. Quatrièmement. Un bon enseignant doit croire aux idées qu'il enseigne. Mais il doit aussi satisfaire à une autre condition. Il doit croire aux étudiants à qui il offre ses idées. Donc, un bon enseignant doit être convaincu de ce que ses idées sont conformes à la vérité, c'est-à-dire au système de pensée l'unité parfaite. Mais il doit aussi croire que ses frères sont tous Christ et que tous ont cette connaissance qu'il dispense et que la rencontre n'est qu'un jeu de rôle et non pas une occasion de transformer qui que ce soit parce que sont, tous sont déjà parfaits et tous ont cette connaissance de ce qu'il est en train d'enseigner. Et simplement que c'est le Saint-Esprit qui les utilise pour s'échanger des informations sans la prétention à la différence. Paragraphe 2, phrase 1. Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées parce qu'ils veulent protéger leur système de pensée tel qu'ils sont et parce qu'apprendre signifie changer. Les enseignants selon l'ego veulent protéger leur système de pensée parce qu'ils veulent protéger leur position de supérieur sur leurs étudiants. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas recevoir de leurs étudiants, ils veulent, eux, jouer à ce qu'ils donnent sans avoir rien à recevoir parce qu'ils ont peur de changer. Phrase 2. Le changement est toujours appurant pour les séparer parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que c'est un pas menant à la guérison de la séparation. Donc ceux qui croient qu'ils sont vraiment séparés de Dieu, ceux qui croient qu'ils sont différents de leurs frères, ont peur d'être enseignés, ont peur du changement parce qu'ils ont peur. De se séparer encore plus. Leur première expérience de changement était la séparation. On le verra par la suite. Du coup, il ne peut pas concevoir qu'un changement peut plutôt le ramener au ciel. Ils croient que tout changement ne peut que les plonger en plus dans la séparation. Phrase 3. Ils le perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation parce que la séparation a été leur première expérience de changement. Donc, puisque la première expérience de changement qu'ils prennent pour réelle a consisté en la séparation de Dieu. Ils croient que tout changement va encore approfondir la séparation. Étant donné la souffrance qu'ils ont endurée au moment de la séparation, ils ne veulent plus faire l'expérience de, de, de la séparation. Et du coup, ils ont peur de tout changement dans leur système de pensée. Ils ont peur de recevoir de qui que ce soit. Ils préfèrent être ceux qui semblent donner aux autres. Phrase 4. Si tu crois que si tu ne laisses entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix. Quand le coup parle de ton ego, il parle effectivement de l'instant non-saint, de la partie dans laquelle, dans notre esprit, l'ego demeure. Donc, c'est cette partie qui doit changer pour apprendre à penser comme le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui pense déjà comme Dieu. Donc, ceux qui croient à la séparation ont peur du changement, parce qu'ils croient que s'ils font entrer un changement dans leur ego, ils vont perdre leur paix. Ils croient qu'il y aura un conflit, il y aura un désordre qui va entrer. Ils préfèrent conserver leur ego en l'état. Et, ce faisant, leur espoir est de demeurer dans la paix, parce que selon eux, si on ne change rien, alors, il n'y a pas de conflit, pourtant c'est une erreur. Phrase 5. Cette profonde confusion n'est possible que si tu maintiens que le même système de pensée peut reposer sur deux fondements. Donc, une conscience qui adhère à l'instant saint et à l'instant non saint croit que deux systèmes de pensée différents peuvent cohabiter dans le même esprit, à savoir la lumière et les ténèbres, la perfection et l'imperfection, l'unité parfaite et la dualité. Donc refuser le changement, se croit que on peut continuer à héberger deux systèmes de pensée dans sa conscience. Phrase 6, Rien de l'ego ne peut atteindre le pur esprit ou le saint esprit ou l'instant saint, et rien du pur esprit ne peut atteindre l'ego. C'est ce que je disais à l'introduction en disant que l'instant saint et l'instant non saint sont séparés de manière étanche. L'instant saint correspond à la lumière, l'instant non saint correspond aux ténèbres. Donc la lumière ne peut pas atteindre les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas atteindre la lumière. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Le fait pour la conscience de croire qu'elle peut héberger à la fois la lumière et les ténèbres est une folie. Et cette folie, c'est celle qu'on trouve chez les séparés, ceux qui croient qu'ils ont réellement quitté le ciel et qui sont réellement ici. Phrase 7. Le pur esprit ne peut ni renforcer l'ego ni réduire le conflit en lui. Le pur esprit est... Le symbole de la lumière l'ego est le symbole des ténèbres les deux ne peuvent jamais cohabiter les deux ne peuvent jamais collaborer la lumière ne peut jamais réduire l'ego parce qu'elle peut seulement le faire disparaître automatiquement ne peut pas réduire le conflit en lui elle ne peut pas corriger les ténèbres elle peut simplement les faire disparaître de même l'ego ne peut avoir aucun impact sur le pur esprit parce que les ténèbres ne peuvent avoir aucun effet sur la lumière quand les deux sont mis ensemble Forcément, la lumière reste et les ténèbres disparaissent. Phrase 8. L'ego est une contradiction. L'ego est la croyance en ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter dans la même conscience. L'ego est la croyance en les niveaux. Il croit que Dieu peut avoir des niveaux, des grades et des opposés. En cela, il est une contradiction. Phrase 9. Ton soi et le soi de Dieu sont en opposition. Ton soi, pendant que tu rêves, c'est l'ego. Le soi de Dieu, et le pur esprit. Les deux sont en opposition. Comme la lumière et les ténèbres sont en opposition, les deux ne peuvent jamais cohabiter réellement. Dans la conscience qui croit pouvoir héberger les deux est insane, elle est folle. Phrase 10. Ils sont opposés dans leur source, par leur direction et par leur résultat. La source de l'ego, c'est le néant, puisque l'ego n'existe pas. La direction de l'ego, c'est le rêve, demeurer dans le rêve le plus longtemps possible. Et le résultat, c'est donc la maladie, c'est l'esprit divisé. En revanche, pour le pur esprit, la source, c'est Dieu. Le pur esprit est la lumière. Sa direction, c'est le ciel. Et le résultat, c'est la guérison de l'esprit qui a accepté le pur esprit ou le saint esprit. Phrase 11. Ils sont fondamentalement inconciliables parce que le pur esprit ne peut pas percevoir et l'ego ne peut pas connaître. Le pur esprit est illimité. En cela, il connaît et ne perçoit pas parce qu'il est seul dans son univers. Pendant que l'ego est dans l'univers de la séparation où la perception est possible et dont la connaissance est exclue. Sans cela, qu'on ne peut pas mettre au même endroit le pur esprit et l'ego, la lumière et les ténèbres, la perfection et l'imperfection. Phrase 12. Ils ne sont donc pas en communication et jamais ils ne peuvent être en communication. Il va de soi que la lumière ne peut jamais communiquer avec les ténèbres et vice versa. La lumière ignore d'ailleurs l'existence des ténèbres et les ténèbres ne sont pas capables de percevoir la lumière. Donc, quand nous croyons héberger la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur, la sainteté et le péché, l'unité parfaite et la dualité, la perfection et l'imperfection, nous sommes en train de faire montre de folie. Phrase 13. Néanmoins, l'ego peut apprendre, même si son faiseur peut être mal guidé. Néanmoins, l'ego peut apprendre à se laisser défaire pour laisser place à la lumière. La lumière ne peut jamais disparaître, mais l'ego peut apprendre à disparaître pour laisser place à la lumière, même si pour un temps, son faiseur, la conscience, peut persister à vouloir faire croire que l'ego est réel et que les ténèbres sont réelles. Phrase 14. Toutefois, il ne peut pas faire totalement sans vie de ce qui a reçu la vie. Toutefois, l'ego ne peut pas faire disparaître la lumière. C'est impossible. Il n'y a que la lumière et les ténèbres sont rêvées. Quand, pour voir les ténèbres, nous devons avoir fermé nos yeux parce que Dieu étant lumière et Dieu étant partout. Il est impossible que les ténèbres soient réelles. Cependant, le fait pour moi de fermer les yeux pour voir les ténèbres ne fait pas disparaître pour autant la lumière. Sans cela que la lumière est partout, même quand je crois être dans les ténèbres. Il suffit que j'ouvre mes yeux pour voir la lumière et constater que les ténèbres n'ont jamais été qu'un jeu parce que j'avais fermé mes yeux. Paragraphe 3, phrase 1. Le pur esprit n'a pas besoin d'être enseigné, mais l'ego doit l'être. Dans un courant miracle, être enseigné, c'est apprendre à penser comme Dieu. Le pur esprit est déjà Dieu, donc il n'a pas besoin d'être enseigné à penser comme Dieu. Pendant que l'ego, qui est la partie de la conscience qui croit à la séparation, doit se laisser défaire, doit apprendre, doit être enseigné, afin qu'il cesse de lutter pour résister à la lumière. C'est en cela que l'ego apprend à se laisser défaire. Phrase 2. En définitive, l'enseignement est perçu comme effrayant, parce qu'il conduit à l'abandon et non à la dest destruction de l'ego à la lumière du pur esprit. Donc la conscience a peur de l'enseignement parce qu'elle perçoit que si elle apprend, l'ego sera abandonné et il sera défait quand la lumière va jaillir dans l'ego, en présence de la lumière ne peut que disparaître. C'est pour cela que l'esprit divisé et qui veut demeurer divisé a peur d'être enseigné. Phrase 3. C'est ce changement que l'ego doit craindre parce qu'il ne partage pas ma charité. La charité, c'est le fait de croire que l'autre a beaucoup plus que ce que je crois voir en lui, c'est croire que l'autre est plus grand que ce que je perçois, c'est croire que l'autre est Dieu, c'est croire que l'autre est Christ, c'est croire que l'autre est saint, c'est croire que l'autre demeure déjà au ciel. L'ego n'est pas d'accord avec ta vie, parce qu'il veut être supérieur à ses frères, pendant que moi... Je conçois que mon frère soit le même que le Père, parce que je suis le même que le Père et que seule l'égalité est valable. Sans cela que l'ego ne partage pas ma charité, moi étant mis ici pour le Christ. Phrase 4. Ma leçon était comme la tienne et c'est parce que je l'ai apprise que je peux l'enseigner. J'ai jadis été, été comme toi quand j'étais apparemment un homme. J'ai dû passer par toutes les épreuves que tu traverses. J'ai dû apprendre mes leçons de pardon. J'ai dû faire face à l'ego. Et c'est parce que j'ai appris toutes mes leçons de pardon que je suis aujourd'hui illuminé et que je suis au ciel et que je peux t'enseigner ce que j'ai appris et que je peux te partager mon expérience. Phrase 5. Je n'attaquerai jamais ton ego, mais j'essaie de t'enseigner comment son système de pensée a surgi. Donc, dans la conscience, il y a deux systèmes de pensée, celui de l'instant saint et celui de l'instant non saint. Celui de l'instant saint est le pur esprit. Il est donc Dieu et... Jésus dit ici qu'il ne peut pas attaquer, il ne peut pas essayer de changer Dieu parce qu'il sait que dans l'instant saint, tu es le même que Dieu et il n'y a rien à faire de ce côté. En revanche, dans l'instant non saint, c'est là qu'il peut t'aider à défaire ton ego si tu veux te consacrer seulement à écouter le pur esprit, donc écouter seulement l'instant saint. Il va t'expliquer comment l'instant non saint a surgi et qu que tu peux faire pour défaire les croyances qu'il y a dans l'instant non saint, les croyances fausses, les croyances à la séparation, en les niveaux, en les grades en la peur, en la mort. Phrase 6. Quand je te rappelle ta vraie création, ton ego ne peut reprendre que par la peur. Quand je te rappelle que tu es réellement Dieu et que tu n'as jamais cessé d'être Dieu, ton ego ne peut que paniquer parce que ça signifie qu'il va disparaître. L'ego ne tient que par la croyance en son existence, par la croyance en la division, en la séparation, en les inégalités. Et si tu apprends que tu es le même que Dieu, qu'il n'y a pas d'inégalité, qu'il n'y a pas de ténèbres, l'ego disparaîtra. Quand tu apprends cette leçon, l'ego répond par la peur, la peur de disparaître. Paragraphe 4, phrase 1. Enseigner et apprendre sont maintenant tes plus grandes forces parce qu'elles te permettent de changer d'esprit et d'aider les autres à faire de même. Je rappelle ici qu'un cours en miracle s'adresse toujours à la conscience qui écoute à la fois l'instant saint et l'instant non saint. Enseigner, c'est enseigner l'instant non saint. C'est enseigner la partie de l'esprit qui croit que les différences, les grades et les opposés sont possibles, lui enseigner que cela n'existe pas, afin cela se laisse défaire. En même temps que j'enseigne, j'apprends, parce que j'enseigne toujours à mon propre esprit, étant donné qu'il n'y a pas de monde et qu'il n'y a personne dehors. Donc, à mesure que j'enseigne et que j'apprends, mon esprit est transformé, mon esprit est guéri et je me rapproche de la statue du Saint-Esprit, de la statue du Christ. C'est ce qui me permet de rentrer chez moi au ciel. Phrase 2. Refuser de changer d'esprit ne prouvera pas que la séparation ne s'est pas produite. Si je refuse d'apprendre, si je refuse d'enseigner pour apprendre, mon esprit va rester divisé et ça ne va pas prouver que la séparation ne s'est pas produite. C'est pas parce que je n'ai pas changé d'esprit qu'il ne s'est rien passé alors que mon esprit est encore divisé. Parce que parfois je prétends qu'il ne s'est rien passé, je n'ai rien à faire parce que je suis déjà au ciel. Alors que mon expérience demeure dans le rêve, je ne sors pas du rêve et il fait semblant de ne pas être ici. Pourtant, tout dans mes pensées, dans mon attitude, dans mes croyances démontre que je crois que je suis ici. C'est le but de la phrase 3. Le rêveur qui doute de la réalité de son rêve, tout en continuant de rêver, ne guérit pas vraiment son esprit divisé. Dans le fait de dire, je ne suis pas ici, je ne suis pas en train de rêver, je suis toujours au ciel tel que Dieu m'a créé, alors que mon témoignage démontre que je crois que je suis ici et que je crois que je suis séparé de Dieu et que je crois au niveau, au grade et aux opposés, ne va pas guérir mon esprit divisé. Le but de la guérison, le but de l'apprentissage est de restaurer mon esprit dans son entièreté afin que je puisse retourner à l'unité parfaite avec Dieu au ciel. Phrase 4. Tu rêves d'un égo séparé et tu crois en un monde qui repose sur lui. L'instance non sain est ce qui projette le monde faux que je vois alors que l'instance sain projette le monde réel. Donc, aussi longtemps que je vois le monde faux, le monde de la séparation, le monde des conflits, le monde de la division, le monde des différences, ça atteste de ma croyance en l'ego et de ce que je suis en train de rêver d'un monde séparé. Phrase 5. Cela est très réel pour toi. Le monde de la séparation et des conflits te semble très réel parce que tu écoutes l'ego et tu crois que l'ego est réel. Phrase 6. Tu ne peux pas défaire cela en ne changeant pas d'esprit là-dessus. Il est question pour toi de cesser de croire que l'ego est réel, de cesser de croire que l'instant non saint est réel. Afin que tu ne puisses écouter que le Saint-Esprit, c'est alors que tu verras le monde réel. Aussi longtemps que tu n'as pas changé d'esprit à propos de ton esprit divisé, pour comprendre que la partie qui croit au niveau au grade aux opposés n'est pas réelle et que seule la partie entière est réelle, tu vas continuer à avoir le monde de la séparation, le monde faux, et tu ne pourras pas retourner au ciel. Phrase 7. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée et de manouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur et te ramènerait à Dieu au ciel. Donc, il est question que mon esprit, la partie qui croise à la séparation au niveau au grade, abandonne l'entêtement à vouloir être réel. Pour cela, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit ou de Jésus, qui vont donc la corriger pour en lui enseigner que les ténèbres sont impossibles. Et si je consens à cela, je pourrai donc retourner avec douceur au ciel, à la lumière, à l'unité parfaite, en passant par l'entièreté. Il suffit simplement que je sollicite l'aide du Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, choisis uniquement les pensées de Dieu pour moi. C'est alors que je ne choisirai plus les pensées de l'ego et que mon esprit inconscient apprendra que pour moi, l'ego n'existe pas, les pensées divisées n'existent pas, les pensées imparfaites n'existent pas et je n'aurai plus que les pensées dans la vérité et je pourrai donc être prêt à immigrer au ciel. Paragraphe 5, phrase 1. Tout bon enseignant espère donner à ses étudiants tellement de ce qu'il a lui-même appris qu'un jour ils n'auront plus besoin de lui. Un bon enseignant, c'est un enseignant qui enseigne selon le Saint-Esprit. Il a appris qu'au ciel, tous sont égaux et que tous sont parfaits. dans son intérêt est que ses étudiants atteignent son niveau afin qu'il n'y ait plus de différence entre eux et qu'il n'y ait plus d'inégalité entre eux. C'est ça un bon enseignant. À ce niveau, l'étudiant n'aura plus besoin de l'enseignant et sera à la fin de l'enseignement parce qu'ils seront des égaux. C'est ça un bon enseignant selon un courant miracle. Phrase 2. Voilà le seul but de l'enseignant selon Dieu, selon le Saint-Esprit, le seul but d'un enseignant est d'amener l'étudiant à l'égalité avec lui afin que l'étudiant puisse ne plus avoir besoin de lui à long terme. Phrase 3. Il est impossible d'en convaincre l'ego parce que cela va à l'encontre de toutes ses propres lois. Évidemment, l'ego croit au niveau au grade, l'ego croit à la hiérarchie, et l'ego voudrait toujours demeurer supérieur à ses apprenants. C'est pour cette raison que l'ego ne va jamais convenir que ses étudiants ont atteint son niveau. Histoire pour lui de demeurer toujours plus grand eux qu'eux. Parce qu'il ne croit pas à l'égalité, il ne croit qu'à l'inégalité qui permet donc à son système de pensée de perdurer. Dès qu'il y a l'égalité, l'unité parfaite peut être conçue. Mais dès qu'il y a inégalité, c'est la dualité qui est plutôt naturelle, et c'est la dualité qui fait vivre l'ego. C'est pour cela que l'ego ne va jamais rien faire qui puisse rappeler l'idée de l'unité parfaite à ses captifs. Phrase 4. Mais rappelle-toi que les lois sont montées pour protéger la continuité du système dans lequel croit le législateur. C'est normal que l'ego ait monté ses lois telles que son système de pensée ne disparaît jamais parce que le législateur monte des lois de telle enseigne que son système demeure éternellement. C'est aussi normal que les lois du Saint-Esprit soient montées de telle enceinte que c'est plutôt le système de pensée d'unité parfaite qui soit renforcé dans l'esprit de l'apprenant. Chacun défend son système de pensée, étant donné que le système de pensée est ce qui fait un univers. Phrase 5 Il est naturel que l'ego essaye de se protéger une fois que tu l'as fait, mais il n'est pas naturel pour toi de vouloir obéir à ces lois à moins que tu y crois. La conscience est pur esprit, parce que la conscience est un détachement Dieu, fils de Dieu ou du ciel. C'est donc normal que la conscience puisse défendre plutôt les idées du Saint-Esprit et non pas celles de l'ego. En revanche, l'ego a tout intérêt à défendre son système de pensée, ses idées, parce que c'est de ça qu'il vit. Si la, si la différence n'est plus là, si les inégalités ne sont plus là, si la peur n'est plus là, l'ego n'aura plus rien sur quoi se fonder. Donc c'est donc normal que l'ego se protège en inventant des défenses qui enseignent que le monde est réel et qu'il est réel. Mais toi, Fils de Dieu endormi, on ne comprend pas trop bien, je ne comprends pas trop bien pourquoi tu soutiens les idées de l'ego au point de perdre le souvenir de ton père au ciel. Phrase 6. À cause de la nature de son origine, l'ego ne peut pas faire ce choix. Parce que l'ego est né de la séparation et de la division. Parce que l'ego ne peut tenir que dans la séparation et la division, c'est normal qu'il ne puisse pas apprendre les lois du Saint-Esprit. Phrase 7. À cause de la nature de la tienne, tu le peux. Toi venant du ciel, ayant connu la vérité, toi, tu peux apprendre la vérité, mais l'ego ne peut pas accepter d'apprendre la vérité, ne peut pas accepter la loi de l'égalité qui prépare au retour à la perfection. Paragraphe 6, phrase 1. Les égaux peuvent se heurter en toutes circonstances, mais le pur esprit ne peut pas du tout heurter. Nous devons comprendre que dans l'instant non saint, il y a une image de chacun de mes frères, et ces images sont toutes des égaux. C'est-à-dire que c'est des idées qui ne sont pas égales, c'est des idées qui n'ont pas accès à tout, c'est des idées qui sont en compétition dans l'instant non saint. Et dans l'instant saint, évidemment, il y a aussi des images de chacun de mes frères qui sont toutes des miracles, c'est-à-dire qu'elles sont toutes égales, elles sont toutes parfaites et elles ne sont pas en compétition. Donc ici, au paragraphe 6, chapitre 1, le courant me rappelle que les égaux... Ces idées de mes frères dans l'instant non saint sont en conflit en permanence, alors que dans l'instant saint, dans le pur esprit, il n'y a pas du tout de conflit, parce que toutes sont égales en vue de la perfection qui les attend au ciel. Phrase 2. Si tu perçois un enseignant comme étant simplement un plus gros ego, tu auras peur, parce que grossir un ego reviendrait à augmenter l'anxiété au sujet de la séparation. Étant donné que les idées dans l'instant non saint sont tous des égaux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas au même niveau, il y en a qui sont plus fortes, plus grandes, plus intelligentes, plus puissantes, plus riches que les autres, ces différences perçues vont augmenter ton anxiété, ta peur au sujet de la séparation. Donc un enseignant sera forcément quelqu'un qui est supérieur aux autres dans l'instant non saint et qui jouera à diriger les autres et qui va donc ainsi entretenir l'anxiété dans ton esprit à propos de la séparation. Phrase 3. Moi, Jésus. J'enseignerai avec toi et je vivrai avec toi si tu veux penser avec moi. Mais mon but sera toujours de t'absoudre finalement du besoin d'avoir un enseignant. Je peux venir avec toi dans ton, dans ton instant non saint pour t'enseigner à penser comme Dieu si tu acceptes cela. Mais avec un seul objectif, t'amener à être mon égal afin que tu n'aies plus besoin de moi comme enseignant si tu m'invites à venir dans ton instant non saint pour t'enseigner à penser comme moi dans l'instant non saint. Phrase 4. C'est l'opposé du but visé par l'enseignant axé sur l'ego. Je te rappelle qu'un enseignant axé sur l'ego, lui, n'a pas envie que tu atteignes son niveau. Il n'a pas envie que tu sois son égal. Il n'a pas envie que tu aies toutes les connaissances qu'il a parce qu'il veut toujours demeurer supérieur à toi. Phrase 5. Il se préoccupe de l'effet que son ego a sur les autres egos. Il interprète donc leur interaction comme un moyen de préserver l'ego. Donc, l'enseignant axé sur l'ego surveille les autres égaux pour s'assurer qu'aucun d'eux n'atteint son niveau, et aucun d'eux n'est une menace à son pouvoir, à son autorité sur les autres égaux, afin que l'ego, les différences, les inégalités soient préservées. Phrase 6. Je ne serais pas capable de me dévouer à l'enseignement selon le Saint-Esprit si je croyais cela, et tu ne seras pas un enseignant dévoué à l'enseignement selon le Saint-Esprit aussi longtemps que tu le crois. Donc aussi longtemps que je crois que les différences, les inégalités, la hiérarchie sont importantes, je ne pourrai pas enseigner le système de pensée du Saint-Esprit et toi non plus, tu ne le pourras pas. Phrase 7. Je suis constamment perçu comme un enseignant qu'il faut soit exalter, soit rejeter. Mais je n'accepte pour moi ni l'une ni l'autre de ces perceptions. Quand on exalte ou quand on rejette, on installe les différences, on installe les inégalités, on installe la compétition, on installe les comparaisons. Mon style de pensée ne me permet pas d'accepter de telles appréciations. Donc, que je sois exalté ou rejeté, je n'en tiens pas compte parce que je reconnais que mes frères et moi, nous sommes les mêmes. Nous sommes égaux. Je ne suis ni supérieur à eux, ni inférieur à eux. C'est pour cela que je ne tiens pas compte des appréciations que l'ego peut porter sur moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit enseigner mon frère à tel enseigne qui n'a plus besoin de moi comme enseignant à long terme. Paragraphe 7, phrase 1. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Tu es au ciel, tu es l'égal de Dieu à jamais et cela n'a jamais changé. Ce qui se passe dans le rêve, enseignement et apprentissage ne sont que des activités du rêve. Ce n'est pas ces activités qui établissent ta valeur. Ta valeur n'a jamais changé en tant que fils de Dieu au ciel. Donc, ne prends pas en compte ce que tu fais comme enseignant ou comme apprenant pour te donner une valeur supérieure ou inférieure à qui que ce soit. Phrase 2. Ta valeur est établie par Dieu et elle est à jamais au ciel ou que tu n'as jamais réellement quitté. Ce qui se passe dans le rêve, c'est une conscience individuelle qui joue à être toi, alors que toi, tu es au ciel que tu ne peux pas avoir quitté parce que nul ne peut être séparé de Dieu. Phrase 3. Aussi longtemps que tu contestes cela, tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas appris que ta valeur est au ciel et que tu n'as aucune valeur à rechercher dans le rêve, tu vas chercher des compétitions inutiles. En vouloir passer pour supérieur ou en voulant jouer les inférieurs aux autres, ce sera des souffrances qui ne servent à rien, ce sera des peurs inutiles que tu dont tu n'as pas besoin. Donc, si tu apprends que tu es au ciel et que tu n'as aucune valeur à conquérir dans le rêve, c'est la fin du conflit, c'est la fin de la compétition, c'est la fin des ambitions inutiles et tu retrouves la paix. Phrase 4. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Un enseignant, selon le Saint-Esprit, doit apprendre que le temps n'est pas réel. Donc, il n'a pas besoin de s'impatienter par rapport à ses apprenants et doit répéter les leçons jusqu'à ce que l'apprenant les ait apprises sans jamais bousculer l'apprenant par rapport au temps, au risque de rendre le temps réel et donc ainsi de rendre la dualité réelle. Phrase 5. Je suis prêt à le faire parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites à ton apprentissage. Étant donné que je ne crois pas au temps, je peux t'enseigner autant que tu voudras jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Je ne te mettrai jamais aucune pression ni aucun aucune obligation de rendement. Je suis prêt à cela si tu m'invites à venir t'enseigner à penser comme le Saint-Esprit. Phrase 6. Encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Je le répète, tout ce que tu penses, tout ce que tu souhaites et tout ce que tu fais dans le rêve n'a aucun impact sur ta valeur réelle qui est au ciel où tu es l'égal de Dieu à jamais. Donc, tu n'as pas besoin de faire des efforts particuliers tu dans le des compétitions et des jalousies, des conflits, des convoitises, qu'on voulant te valoriser, parce que rien de cela ne peut changer ta valeur dans un sens ni dans l'autre. Tu es parfait et la perfection ne peut jamais changer. Phrase 7. Ce point n'est pas discutable sauf par les fous. Personne ne peut discuter que la perfection ne peut jamais changer sauf un fou. Étant donné que ton père est parfait, il t'a créé parfait et la perfection est inchangeable. Quiconque croit qu'il a changé et croit qu'il peut changer quoi que ce soit à la perfection, n'est pas moins qu'un fou. Phrase 8. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. On ne peut pas débattre de l'ego ni de sa valeur parce qu'il n'existe pas. Phrase 9. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce que Dieu l'a créé. Le pur esprit étant parfait, tu n'as pas à l'évaluer parce qu'il est une création de Dieu. Il est donc parfait. Phrase 10. Toute confusion sur ce point est délirante. Et aucune forme de dévouement n'est possible tant que Dieu se délire. Donc aussi longtemps que tu crois que l'ego est réel et que tu peux le valoriser, aussi longtemps que tu crois que tu as le droit de changer le pur esprit, de donner ton avis sur lui, de lui donner une valeur différente, tu ne peux que faire montre de délire, de folie, parce que ce n'est pas possible d'évaluer le pur esprit qui est Dieu ou d'évaluer l'ego qui lui n'existe nulle part. Paragraphe 8, phrase 1. L'ego essaye d'exploiter toute situation pour en tirer des formes de louanges à son égard pour vaincre ses doutes. L'ego lui-même doute de sa réalité. Il sent qu'il n'est pas réel. Il sent que la lumière peut le faire disparaître. Donc, il a besoin d'être glorifié. Il a besoin d'être célébré. Il a besoin d'être adoré pour se donner l'illusion de l'existence. Parce qu'il a peur de disparaître. Phrase 2. Il continuera à douter tant que tu croiras en son existence. L'ego fait ce cinéma parce que tu lui donnes le pouvoir de le faire en croyant qu'il est réel. Si tu lui retires ton, ton, ta croyance, il va disparaître. Donc c'est ton existence qui lui permet de croire qu'il existe et de lutter pour avoir des louanges, avoir de la célébrité, avoir de la reconnaissance, avoir du pouvoir apparemment dans le rêve. Phrase 3. Toi qui l'as fait, tu ne peux pas avoir confiance en lui parce que tu te rends compte dans ton esprit juste qu'il n'est pas réel. Quelque part, quand tu penses avec le Saint-Esprit, tu constates, tu remarques que l'ego n'est pas réel. C'est pour cela que tu n'as pas confiance en lui fondamentalement. C'est pour cela que tu obtiens le besoin de pratiquer les religions et les spiritualités comme cherchant Dieu, parce que tu n'as pas vraiment confiance en l'ego, même si tu n'es pas sincère dans cette recherche, mais tu sens que l'ego n'est pas réel et tu n'as pas vraiment confiance en lui. Phrase 4. La seule solution saine n'est pas d'essayer de changer la réalité, ce qui est certes une tentative effrayante, mais de l'accepter telle qu'elle est. Donc, ne cherche pas à changer les ténèbres, comme pour apporter la lumière dans les ténèbres. C'est pas possible. On peut pas transformer les ténèbres en lumière. Elles sont ce qu'elles sont. On peut seulement quitter les ténèbres pour entrer à la lumière. Donc, faire des efforts pour transformer le monde, pour en faire le ciel, pour transporter le ciel sur la terre, c'est un délire. On ne peut pas transformer les ténèbres en lumière. On peut seulement abandonner les ténèbres pour entrer à la lumière. Phrase 5. Tu fais partie de la réalité qui reste inchangée au-delà de la portée de ton ego, mais qui est facilement à la portée du pur esprit. Donc tu es au ciel, tu es dans la lumière, et la lumière est à ta portée, mais pas à la portée de l'ego qui lui est ténèbre, parce que les ténèbres ne peuvent jamais entrer dans la lumière, mais ton pur esprit qui est... Une partie de la lumière de Dieu qui rêve peut rentrer à la lumière, peut rentrer à la vérité, peut retourner au ciel. Phrase 6 Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel et que tu es son fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Si tu arrives d'avoir peur, souviens-toi de ce que la peur n'est pas réelle et que le n'est pas réel et qu'il n'y a que Dieu partout et que tu es son fils bien-aimé et que rien ne peut te menacer c'est quand tu crois qu'il y a autre chose que ton père dans l'univers que tu peux avoir peur si tu arrives dans avoir peur souviens-toi de ce qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a rien d'autre souviens-toi de ce que tu es son fils bien-aimé et que il n'a aucun autre fils et tu n'auras plus peur parce que tu as toute sa protection tu as toute sa faveur phrase 7 ne laisse pas ton ego contester cela parce que l'ego ne peut pas connaître ce qui est bien au-delà de sa portée comme tu l'es donc, ne laisse pas l'ego te contester cette vérité qui veut que seul Dieu soit réel et qu'il n'y ait rien d'autre. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a au-delà de toi. Il ne sait pas que Dieu existe. Il te voit et il croit que tu es le même que lui. Et il veut t'enseigner qu'il n'y a que lui qui soit quelque chose pour toi. N'accepte pas ce mensonge de l'ego. Paragraphe 9. Phrase 1. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. La peur est l'opposé de l'amour. La peur est synonyme de l'imperfection. La peur est synonyme des ténèbres. L'amour ne peut pas créer la peur. La perfection ne peut pas créer l'imperfection. La lumière ne peut pas créer les ténèbres. Dieu n'étant que perfection, amour et lumière, il ne peut donc pas être l'auteur des ténèbres, de la dualité. Il ne peut pas être le, le créateur de la peur. C'est toi, phrase 2, c'est toi qui as inventé ces choses. Quand tu as voulu passer pour être créateur incréé, étant donné que ton Père avait dit à créer tout ce qui est parfait, l'unité parfaite, l'amour, la lumière. Tu ne pouvais créer que l'opposé de ces choses et tu as donc créé la dualité, tu as créé la peur, tu as créé les ténèbres. Phrase 3. Tu as choisi de créer autrement que lui. Par conséquent, tu as fait la peur pour toi-même. Créer, c'est penser. Tu as choisi de créer en dehors de ton Père. Tu as choisi de jouer à être un créateur, un créé d'une réalité qu'il n'a jamais créée. C'est ainsi que tu as créé la peur, les ténèbres et la dualité. Phrase 4. Tu n'es pas en paix parce que tu ne remplis pas ta fonction. Ta fonction dans le rêve, c'est de guérir ton esprit pour le restaurer dans son entièreté en pardonnant à tous tes frères. Ta fonction est au ciel est de penser comme Dieu. Aussi longtemps que tu ne remplis pas ces deux fonctions, tu ne peux pas être en paix parce que ton esprit est divisé, parce que tu écoutes l'ego et que l'ego t'enseigne que tu es en conflit avec ta réalité qui est le Saint-Esprit. Phrase 5. Dieu t'a donné une fonction très élevée que tu n'assumes pas. Dieu t'a donné la fonction aussi d'être son égal et tu n'assumes pas cette fonction. C'est pour cela que tu sembles être ici et c'est pour cela que tu as peur. Phrase 6. Ton ego a choisi d'avoir peur au lieu de l'assumer. Donc, ton esprit divisé en deux parties, la partie ego a choisi d'avoir peur au lieu de penser comme Dieu, pendant que la partie instant saint pense comme Dieu. Donc, ton ego, c'est la partie de ton esprit qui est instant non-saint, qui a choisi plutôt d'avoir peur. Au lieu d'assumer la fonction qui est de penser comme Dieu. Phrase 7, quand tu te réveilleras au ciel, tu n'arriveras pas à comprendre cela parce que c'est littéralement incroyable. Quand tu te réveilleras à la lumière, tu te demanderas Mais qu'est-ce suis-je allé faire dans les ténèbres Comment ai-je fait pour accepter d'être un simple corps au lieu de demeurer Dieu comme Jésus a été créé Tu ne comprendras pas ce qui t'avait pris et tu réaliseras toute la folie qui a été la tienne de croire un seul instant. Que le monde est réel et que tu es un corps réel, séparé de ton père et que tu n'es pas Dieu. Phrase 8. Ne crois pas l'incroyable maintenant. Apprends donc à ne plus croire l'incroyable. Apprends à ne plus croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. Apprends à ne plus croire que tu n'es pas Dieu. Apprends à ne plus croire que l'ego est réel. Ce sera l'apprentissage que le cours veut t'apporter. Phrase 9. Toute tentative pour augmenter la crédibilité du monde, la crédibilité de la séparation, la crédibilité de la peur, ne fait que retarder l'inévitable qui est ton retour au ciel. Tu es endormi et le sommeil n'est pas éternel, tu vas te réveiller tôt ou tard. Sans cela que ton éveil, ton illumination et ton retour au ciel sont inévitables. Mais pendant que tu fais des efforts pour prouver que le monde est réel et que tu es un corps dans un monde réel et que la peur est réelle, tu retardes l'échéance de ton retour au ciel. Pourtant, il est inévitable. Phrase 10. Le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Le fait de savoir que tu partiras tôt ou tard au ciel fait peur à l'ego, il effraie l'ego, mais il réjouit le pur esprit qui sait que ton rêve, ton sommeil, ta séparation rêvée ne sont pas éternelles. Phrase 11. Dieu est inévitable et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. La seule réalité est pur esprit dans laquelle Dieu et toutes ses créations sont et y sont inséparables. C'est en cela que Dieu est inévitable parce qu'il n'y a rien en dehors du pur esprit de Dieu, si ce n'est pendant que tu rêves de séparation dont tu ne peux pas l'éviter et lui non plus ne peut pas t'éviter. C'est en cela que ton retour au ciel est inévitable, que ton éveil est inévitable, que tu seras un jour de croire que tu es réellement ici et que tu voudras retourner chez toi au ciel. Paragraphe 10, phrase 1. La joie du pur esprit effraie l'ego parce qu'après en avoir fait l'expérience, tu lui retireras toute protection et tu n'auras plus aucun investissement dans la peur. Lego a remarqué que chaque fois que tu fais la rencontre du Saint-Esprit, tu retournes avec une joie qu'il ne parvient pas à comprendre et ça lui fait peur. Il a compris que quand tu vas demeurer en permanence dans le Saint-Esprit, dans le pur esprit, dans l'instant saint, tu vas lui retirer dans toute ta protection, tu ne vas plus croire en lui et il va disparaître. C'est pour cela qu'il a peur. Il a peur que tu connaisses la vérité, il a peur que tu te souviennes de, de qui tu es. Il a peur de disparaître. Phrase 2. Ton investissement est grand maintenant. Parce que la peur est un témoin de la séparation et ton ego se réjouit quand tu en témoignes. Pour le moment, l'ego t'encourage à croire que la peur est réelle et à t'investir dans la peur. Tu as peur des mouches, tu as peur des serpents, tu as peur des araignées, tu as peur de toi-même, tu as peur de Dieu, tu as peur de ton frère, tu as peur de tout et l'ego est content parce que l'ego sait que la peur est la preuve de ce que tu crois en la séparation, que tu ignores qui tu es réellement et que tu crois que tu es réellement un corps. Étant donné que dans le scénario des corps auxquels tu t'identifies, le corps a été fait pour être vulnérable à plein de dangers. Donc si longtemps que tu as peur, l'ego est content. Il s'en réjouit. Phrase 3. Laisse-le derrière toi. Cesse donc de croire en l'ego. Cesse de le soutenir. Cesse de renforcer son système de pensée. Cesse d'avoir peur. Cesse de croire que tu n'es pas Dieu. Cesse de croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. Phrase 4. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. N'écoute plus la dualité. N'écoute plus la peur. Ne construisez ce qui est imparfait ne préserve pas l'ego parce que ce sont les moyens par lesquels tu permets à l'ego de croire qu'il est réel et donc de demeurer dans ton esprit. Quand tu vas écouter seulement le Saint-Esprit, l'ego va se défaire et il va disparaître parce qu'il n'a jamais réellement été dans ton esprit si ce n'est pas ta croyance. Phrase 5. Écoute seulement Dieu. Écoute seulement le Saint-Esprit qui est aussi incapable de tromperie que l'est le pur esprit qu'il a créé. Dieu, le pur esprit, le Saint-Esprit ne peuvent jamais te tromper. Ils savent qu'ils sont les mêmes et que tu es le même avec eux. Et tandis que tu es Dieu, crois-les, ils ne peuvent pas te tromper. Écoute-les, c'est ton intérêt pour retourner au ciel. Cesse de croire que tu es séparé. Cesse de croire que tu as quitté le ciel. Cesse de croire que l'ego est réel. Cesse de croire que la peur est réelle. Et tu vas retourner chez toi au ciel. Phrase 6. Délivre-toi et délivre les autres. Si tu reconnais que tes frères sont tous de Christ, ton esprit sera réparé. Ton esprit sera guéri, c'est ainsi que tu seras délivré après avoir délivré les autres. Telle est ta vocation dans le rêve de reconnaître que vous n'avez jamais été séparés et que tes frères et toi, vous êtes tous des égaux, afin qu'ils retournent prendre leur place dans ton esprit et qu'ainsi ton esprit soit entier. Une fois que ton esprit est entier, il sera admissible à la connaissance de la vérité au ciel, où ne demeurent que des esprits qui adhèrent au système de pensée de l'unité parfaite. Phrase 7. Ne leur présente pas une image fausse et indigne de toi et n'accepte pas toi-même une telle image d'eux. Ne fais pas croire à tes frères que tu es un corps et n'accepte pas que eux, ils te perçoivent comme un corps parce que cela t'empêche de retourner au ciel où il n'y a pas de corps. Le corps est une image fausse, indigne et piteuse de toi que tu ne saurais continuer à assumer. Tu dois apprendre à penser que tu es Dieu et à démontrer à tes frères que tu es Dieu tout autant que eux parce que si un d'eux est un corps, alors toi aussi tu es un corps étant donné que vous êtes tous le même dans ton esprit. Paragraphe 11. Phrase 1. L'ego t'a bâti une piteuse demeure qui n'offre aucun abri parce qu'il ne peut pas bâtir autrement. L'ego t'a fait croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. C'est une piteuse demeure, misérable, destructible, mortelle. Et l'ego ne peut pas faire autrement que de bâtir ce qui est périssable, qui peut mourir. Phrase 2. N'essaye pas de faire tenir cette maison délabrée. N'essaye pas de lui donner une durée éternelle, ne fais aucun effort surnaturel pour qu'elle dure plus longtemps qu'elle ne devrait l'être, parce que tu ne, ça ne n'apportera rien. Ce que l'ego a fait est fortement périssable. Phrase 3. Sa faiblesse est ta force. Reconnaître que cette demeure est faible, c'est vouloir une demeure forte. Si tu essayes de rendre le corps fort dans le monde pour qu'il dure trop longtemps dans le monde comme ayant atteint un but glorieux, tu vas perdre l'idée de chercher ta demeure au ciel. Mais si tu reconnais que le corps est indigne de toi et qu'il est faible, forcément ton esprit inconscient comprendra que tu mérites une demeure meilleure et c'est celle que Dieu t'a préparée au ciel. Phrase 4. Dieu seul pouvait faire une demeure qui est digne de ses créations qui ont choisi de la laisser vide par leur propre dépossession. Seul Dieu qui crée l'éternité pouvait te faire une demeure qui soit digne de toi en tant que son fils parce que tu es le même que lui. Mais tu as abandonné cette demeure de toi au ciel pour aller habiter dans un corps mortel, dans un rêve, dans un monde qui va se détruire. C'est toi-même qui as abandonné ta demeure au ciel et tu vas la retrouver quand tu voudras la retrouver. Phrase 5. Or, sa demeure tiendra toujours prête pour toi quand tu choisiras d'y entrer. La demeure que Dieu, ton Père, t'a construite au ciel tiendra toujours. Cette demeure s'appelle le pur esprit et sera toujours prête pour toi quand tu choisiras de rentrer au ciel. Aussi longtemps que tu veux demeurer dans le rêve, tu demeures dans un corps qui vit dans un monde réel apparemment, alors que ce corps est mortel. Tu vas naître, mourir et naître et mourir dans des corps tant que tu voudras renforcer la réalité de l'ego. Mais quand tu décideras de rentrer chez toi, tu trouveras que ta demeure au ciel t'attendait et qu'elle n'a jamais été occupée par qui que ce soit. Cette demeure s'appelle le pur esprit. Phrase 6. De cela, tu peux être entièrement certain, parce que ce que Dieu crée est éternel. Phrase 7. Dieu est aussi incapable de créer le périssable que l'ego de faire l'éternel. Dieu ne peut pas créer ce qui est périssable comme l'ego ne peut pas faire ce qui est éternel. Donc, si Dieu a fait ta demeure éternelle au ciel, elle t'attend quand tu voudras venir l'occuper. Paragraphe 12. Phrase 1. De par ton ego, tu ne peux rien faire pour te sauver ou pour sauver les autres. Mais de par ton pur esprit, tu peux tout faire pour ton salut et pour le leur. L'ego est la partie de l'esprit qui croit à la séparation. C'est lui qui t'encourage à juger tes frères et à les condamner pour les exclure de ton esprit dans de ta conscience. Dans l'ego n'est jamais celui qui va t'aider, qui va accepter que ton esprit soit restauré dans son entièreté. Or, l'entièreté est le chemin obligatoire pour retourner à l'unité parfaite au ciel. Dans le départ de ton ego, tu ne peux rien faire pour te sauver et sauver tes frères, c'est-à-dire accepter qu'ils sont chacun de Christ afin que chacun vienne reprendre sa place abandonnée dans ton esprit. Mais de par ton pur esprit, tu peux tout faire pour ton salut. Quand tu reconnais que tes frères sont chacun le pur esprit, ils se sentent rassurés de ce que tu ne les juges plus, ils reprennent leur place dans ton esprit et ton esprit est guéri, ton esprit est réparé, ton esprit est restauré dans son entièreté et c'est ainsi qu'il est admissible au retour à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 2. L'humilité est une leçon pour l'ego et non pour le pur esprit. L'humilité, c'est le fait de reconnaître ta dépendance à Dieu. L'orgueil, c'est de prétendre que tu peux être séparé de Dieu. Donc c'est l'ego qui a besoin d'humilité et non le pur esprit. Le pur esprit est Dieu. Ton pur esprit, sachant qu'il est le même que le Père, il n'a pas besoin d'apprendre de l'humilité. En revanche, l'ego qui se réclame autonome et souverain, c'est lui qui a besoin d'apprendre la leçon de l'humilité afin que tu puisses retourner au ciel. Je rappelle que l'ego, c'est la partie de ton esprit qui croit en la séparation, l'instant non saint, tandis que le pur esprit, c'est la partie de ton esprit qui croit en l'unité parfaite, l'instant saint phrase 3. Le pur esprit est au-delà de l'humilité parce qu'il reconnaît son rayonnement et repend partout sa lumière avec joie. Dans le pur esprit n'a pas besoin de leçon d'humilité parce que lui reconnaît qu'il est le même que Dieu, qu'il est dépendant de Dieu et ainsi il repend son rayonnement partout et sa lumière avec joie. Phrase 4 Les doux hériteront la terre parce que leur ego est humble et cela leur donne une perception plus vraie. La perception vraie c'est quand je vois avec le Saint-Esprit la perception fausse, c'est quand je vois avec l'ego. Quand je dis voir, c'est interpréter. Donc, quand j'interprète mes perceptions avec le Saint-Esprit, j'ai la perception vraie. Quand j'interprète mes perceptions avec l'ego, j'ai la perception fausse. Donc, un égo humble va se taire pour laisser me permettre d'interpréter mes perceptions avec le Saint-Esprit. C'est en cela que je suis doux. Dans les doux, ce sont que ceux dont l'ego sait se faire humble afin de permettre que la conscience interprète ses perceptions avec le Saint-Esprit. Phrase 5. Au royaume des cieux a droit le pur esprit, dont la beauté et la dignité sont bien au-delà du doute, au-delà de la perception, et restent à jamais la marque de l'amour de Dieu pour ses créations, qui sont entièrement dignes de lui et de lui seul. Dont ton pur esprit dans le rêve a droit au royaume des cieux, parce qu'il est beau et digne, et cela ne fait aucun doute, et qu'il est au-delà de la perception, c'est-à-dire de la séparation, de la division, ce qui est une marque de l'amour de Dieu pour lui. Parce que les créations de Dieu sont entièrement dignes de retourner au ciel pour être avec leur Père parfaitement unis à jamais. Phrase 6. Rien d'autre n'est suffisamment digne d'être un don pour une création de Dieu lui-même. En dehors de reconnaître que mon frère est pur esprit, il n'y a aucun autre don qui soit digne d'être fait à un fils de Dieu que de reconnaître qu'il est le même que son Père afin de lui rappeler que sa place n'est pas dans un rêve, mais que sa place est au ciel. Tout autre don est une pernicieuse distraction. Paragraphe 13. Phrase 1. Je me stipituerai à ton égo, si tu le souhaites, mais jamais à ton pur esprit. Ton pur esprit, dans ton pur esprit, dans ton instant saint, tu es le même que Dieu. Il n'est pas question que je vienne les mixer en, dans la relation entre toi et ton père. En vérité, tu es Dieu dans l'instant saint, tu es Dieu dans le pur esprit, dont tu n'as besoin d'aucune aide. Phrase 2. Un père peut laisser un enfant en toute sécurité avec un frère aîné, qui s'est montré responsable, mais cela n'entraîne aucunement confusion quant à l'origine de l'enfant. Dans l'instant non saint, dans la partie de ton esprit où demeure l'ego, tu es un enfant. En revanche, dans l'instant saint, tu es le même que Dieu. Tu es Dieu. Donc, un père peut laisser son enfant dans la, à la charge de son frère aîné qui s'est montré responsable, mais le frère aîné n'a pour autant pas raison, aucun droit d'aller remplacer le père dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire d'aller demeurer dans l'instant saint, d'aller demeurer dans l'esprit juste. Il peut tout au plus demeurer dans l'instant non sain pour faire des répétitions à son petit frère, pour lui partager son expérience, mais jamais au grand jamais, un frère aîné ne, ne devrait prétendre remplacer le père dans l'esprit de l'enfant, ne devrait jamais prétendre demeurer dans l'instant saint de son frère. Phrase 3. Le frère peut protéger le corps de l'enfant ainsi que son ego, mais il ne se confond pas lui-même pour autant avec le père parce qu'il fait cela. Donc, le corps est une projection de l'instant non saint. Le frère peut donc demeurer avec son frère dans l'instant non saint et dans le corps pour les protéger, mais il n'est pas question que le frère aîné aille remplacer le Père dans l'instant saint, donc dans l'Esprit juste. C'est pour cela que je peux t'aider, moi, ton aîné, Jésus, à défaire ton ego, à défaire les croyances fausses dans ton instant non saint, et même à t'aider au niveau du corps, mais jamais, au grand jamais. Je ne ferai rien dans ton esprit juste, dans ton instant saint, où tu es l'égal de Dieu, où tu n'as besoin d'aucune aide. Phrase 4. Tu peux me confier ton corps et ton ego, seulement parce que cela te permet de ne pas t'en préoccuper et me laisse moi t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance. Je rappelle donc que la partie de l'esprit où demeure l'égo est celle qui projette les corps. Les deux vont de pair. Donc quand on parle de l'esprit faux, en général on parle de cette partie-là et elle est associée au corps. C'est cette partie là que le Saint-Esprit que Jésus peut corriger, mais pas l'instant saint, pas l'esprit juste. Il veut les corriger, il veut te dire à les corriger pour que tu ne t'en préoccupes pas. Pour ce faire, la phrase rituelle que le cours nous enseigne est la suivante Saint-Esprit, choisis les pensées de Dieu pour moi afin que je ne me préoccupe plus de mon instant non saint et de mon corps et que tu t'en occupes à ma place. Phrase 5. Je ne pourrais pas comprendre l'importance que ton ego et ton corps ont pour toi si n'avais pas moi-même jadis été tenté de croire en eux. Ici, Jésus nous rappelle qu'il a été un homme comme nous et qu'il a été lui aussi tenté de croire à l'ego et au corps. Donc, mais comme il a appris que le corps et l'ego sont sans importance, il peut te l'enseigner si tu lui demandes son avis. Si tu demandes son aide, tu lui demandes son enseignement. Phrase 6. Entreprenons d'apprendre ensemble cette leçon afin d'en être libre ensemble, entreprenant d'apprendre ensemble que l'ego et le corps ne sont pas importants, qu'ils ne sont pas réels, qu'ils n'existent même pas, afin que le corps et l'ego soient défaits et que nous soyons donc pur esprit pour retourner au ciel, sans cela qu'on est libre quand on est illimité, étant donné que le pur esprit est illimité. La liberté d'un cours miracle est synonyme du fait d'être illimité, L'ego est limité, le corps est limité, alors que le pur esprit n'est pas limité. Donc, si nous apprenons que l'ego et le corps n'existent pas, ils seront défaits et nous pourrons être pur esprit, et ainsi nous serons libres. Phrase 7. J'ai besoin d'enseignants dévoués qui partagent mon but de guérir l'esprit. J'ai besoin des enseignants qui vont vouloir dispenser la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Dieu à leurs frères, afin que l'esprit soit guéri. Quand l'enseignant rappelle à ses frères qu'ils sont chacun de Christ et qu'ils sont tous pur esprit, ses frères qui avaient déserté son esprit reviennent prendre leur place dans son esprit et l'esprit est ainsi guéri. Voilà le genre d'enseignant que le Saint-Esprit veut, voilà le genre d'enseignant que Jésus aimerait avoir. Phrase 8. Le pur esprit est bien au-delà du besoin de ta protection ou de la mienne. Le pur esprit étant Dieu, quand tu te souviens de ce que tu es pur esprit, tu n'as plus besoin ni de protection, ni de quoi que ce soit. De ma part ou de la part de qui que ce soit, même pas de la tienne. Phrase 9. Souviens-toi de ceci. Phrase 10. En ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation parce que j'ai vaincu le monde. Tu n'as aucune épreuve acceptée comme étant glorifiante pour Dieu. Tu n'as rien à démontrer en acceptant la souffrance dans le monde parce que j'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà démontré à l'ego qui n'est pas réel. Tu n'as plus de démonstration à faire à la matière. Sauf si tu veux t'amuser, mais ça n'a aucune valeur que de vouloir démontrer à l'ego combien tu es puissant. Tu as simplement besoin de te tourner vers le Saint-Esprit et tu rentres au ciel parce que j'ai vaincu le monde pour nous tous. J'ai déjà démontré à l'ego qu'il n'est rien. Tu n'as plus cette démonstration à faire. Ma crucifixion était, une m'a dit démontrer à l'ego qu'il n'est rien. Et tout ce que j'ai fait dans le monde était pour nous tous. Tu n'as plus besoin de passer des preuves comme glorifiant. Dans l'évangile de la souffrance et des tribulations, alors pour la gloire de Dieu, est une invention qui ne me concerne pas, moi, Jésus. Phrase 11. C'est pourquoi tu devrais prendre courage. Donc, tu devrais prendre courage et affronter les épreuves comme gagnant, comme menant des combats dans la victoire, parce que c'est des épreuves qui n'ont aucune valeur pour toi. À la limite, tu devrais considérer qu'elles ne sont pas réelles afin de retourner donc chez toi au ciel. Fin de la lecture phrase par phrase d'un cours miracle au chapitre 4. Les illusions de l'ego, section 1. Juste enseignement et juste apprentissage. Je vous remercie. Au plaisir. à bientôt. Bye-bye.